25 ans de carrière à la SARA. J'exerce le métier de standardiste réceptionniste. Dans la fonction de standardiste, c'est plus précisément là ma fonction. Étant malvoyante, donc j'ai plutôt soigné l'aspect téléphonique. Et maintenant, arrivée à la SARA, on m'a demandé d'assurer aussi l'accueil physique. Cet handicap est arrivé à la suite d'une intervention chirurgicale et j'ai perdu un œil. Donc je suis atteinte de la cécité dans un œil et je vois un peu dans l'autre œil. Cela s'est passé à l'âge de 6 ans. Donc j'étais une jeune enfant où j'ai été opérée de la cataracte congénitale. Ça a été un échec. Dans mon enfance, j'étais vraiment une enfant qui voulait tout expérimenter, tout faire comme tous les autres enfants. Je ne voulais pas qu'on me mette à part. Je voulais fonctionner comme mes autres sœurs et frères. Et voilà, donc je faisais comme eux. Je me disais que j'étais capable de le faire aussi. Je montais aux arbres. Je me permettais de faire toutes ces choses. Je voulais aller à l'école comme eux. Et même si je n'étais pas sûre que j'y arriverais, mais j'ai constaté que j'avais une mémoire qui était très vivante et qui était puissante, qui me permettait, mais alors d'enregistrer tout ce qui se faisait à l'école. J'écoutais bien la lecture avec les ponctuations, les temps d'arrêt, et je reproduisais exactement, textuellement, la lecture telle qu'elle avait été dite. Et l'institutrice ne comprenait pas parce que mes parents lui avaient dit auparavant, écoutez, elle ne voit pas, faites attention, elle a voulu aller à l'école, je l'ai laissée, mais je pense qu'elle ne pourra pas suivre convenablement. Les professeurs ont vu ma bonne volonté de vouloir poursuivre un cursus scolaire. Ils m'ont dirigée vers une maison spécialisée. Et c'est là que j'ai appris mon métier en fait. Mon poste de travail est équipé de deux pupitres, en fait. Donc, il y a un pupitre braille avec un petit clavier braille qui s'appelle Easy 40. Ce petit clavier me permet de lire et d'écrire mes textes. Il peut se déconnecter. Je peux l'utiliser, ce petit clavier, comme bloc-notes. Et un mini standard, si toutefois je m'en vais en congé, quelqu'un dit normal peut me remplacer et utiliser le mini standard. Pour l'aménagement du poste, il a été financé par la GFIP en partie. D'autre part, il a été aussi financé par la SARA. La direction SARA me demande d'assurer ce poste et me fait pleinement confiance. J'ai très vite compris qu'il fallait utiliser tout mon potentiel, tout ce que je pouvais pour pouvoir assurer cette fonction. Je suis à même de reconnaître les visages, enfin les personnes qui passent, qui se présentent. J'utilise d'autres moyens. J'ai mémorisé 500 numéros à peu près, hein, et sans compter ceux qui s'ajoutent au fur et à mesure.